Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Supernova et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant One Piece, l'anime One Piece, pour l'épisode qui vient de sortir, le 1042. Donc, à l'honneur dans cet épisode, nous avons la suite d'Onigashima avec le combat entre Yamato et Kaido. Nous avons également la suite du combat entre Sasaki et Franky, Shogun Franky. Et en parallèle, nous avons une partie du combat entre Robin et Black Maria, avec la participation de Brook, de l'équipage. Donc, on va y aller point par point, les amis. Tout d'abord, on commence par le combat entre Yamato et Kaido. Bien évidemment, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous faire des vidéos des différents combats, comme ça vous pouvez les voir directement. Donc, concernant Yamato et Kaido, si vous vous rappelez bien, Yamato s'est déjà transformé lors de l'épisode précédent. Donc, elle a cette nouvelle forme qui ressemble au Minsk, mais qui est beaucoup plus forte. Et donc, du coup, on découvre dans cet épisode quelques particularités qu'elle a. Donc, lors du combat avec Kaido, certes, ils combattent encore avec l'arme qu'ils ont tous les deux, qui se ressemble un petit peu. Mais bien sûr, on constate quand même que Kaido la surpasse et de loin. Mais pas comme avant. Avec cette forme-là, elle est quand même plus forte qu'avant. Et puis, elle a commencé à avoir des attaques un peu particulières, comme le fait de lancer du ice, de la neige. On croirait une attaque d'Aokiji, ce qui est assez impressionnant. Mais c'est cool, franchement, cette transformation de Yamato est assez intéressante. Et bien sûr, en parallèle, notre ami Kaido, il balance un Blast Brit, mais via sa transformation finale. Généralement, on a eu l'habitude de voir le Blast Brit sous son format dragon. Mais là, il l'attaque directement avec cela. Voilà, c'est ce qui s'est passé principalement lors du combat. Sinon, tout ce qui est discours, c'est principalement le fait qu'il ne veuille pas que Yamato suive la voie d'Oden, alors que elle est à fond là-dessus. Elle veut être à fond sous Mugiwara et sous Luffy. Donc là, bien sûr, il y a un fort désaccord entre les deux. Et je pense que le combat va continuer jusqu'à ce que Yamato commence à se fatiguer. Et généralement, je pense qu'il y aura forcément l'intervention de Luffy à un moment donné. Parce que si vous vous rappelez bien, lors de l'épisode précédent, Luffy s'est réveillé et je suppose qu'il est en train de manger pour récupérer des forces. Voilà pour la première partie, les amis, de Yamato contre Kaido. Ensuite, pour le combat entre Sasaki et Franky Shogun. L'autre fois, je vous avais dit que Franky Shogun commençait à se faire transpercer par Sasaki. Mais quand même, il a réussi à balancer Sasaki sous le sol. Là, dans la suite de ce combat-ci, je suis assez étonné parce que Sasaki a vraiment pris le dessus. Il est limite beaucoup trop fort pour Franky Shogun. Et donc, du coup, limite même Franky Shogun est en train de fuir le combat. Tellement Sasaki, il l'a surpassé. Donc, clairement, je pense que le vainqueur, c'est Sasaki jusqu'à maintenant. Mais par contre, je pense que désormais, le combat va devenir un petit peu plus stratégique. On va être plus dans la finesse et plus dans la réflexion. Parce que Franky, il commence à constater le point faible de Sasaki, visiblement. Et c'est son ventre. Parce qu'il voit qu'il a une blessure dans le ventre. Et donc, du coup, le combat en fait se termine sur cet épisode-là, sur Franky qui abandonne son shogun. Parce que son shogun, se fait transpercer et il se fait abolir. Et donc, du coup, il a sauté en dehors du shogun pour balancer une attaque sur le ventre de Sasaki. Et ça paraît causer du dommage à Sasaki. Et c'est quelque chose sûrement que l'on va voir lors du prochain épisode. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce que là, Franky Shogun a perdu. Mais le Franky va maintenant être plus dans la réflexion et dans la technicité pour vaincre Sasaki.
C'est un combat qui dure maintenant depuis 2 épisodes déjà, et sûrement on va le revoir lors des prochains épisodes pour voir comment ça va se terminer. Et finalement, comme je vous l'ai dit, on a une partie du combat entre Black Maria et Robin. Robin qui est avec Brooke, parce que Black Maria n'est pas toute seule, elle est avec, je pense, 2 ou 3 personnages qui l'accompagnent tout le temps et se battent avec elle. Donc du coup, Robin également est accompagné de Brooke. Alors première chose et principalement ce qu'on voit dans cet épisode, c'est que y a surtout Robin qui voit ses anciens amis comme Saul, comme le professeur Clover ou sa mère. On sait qu'ils sont presque tous morts, hein. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant. Mais c'est sûrement l'une des attaques des accompagnatrices de Black Maria qui essaye d'apporter de la confusion chez Robin pour l'attaquer derrière. Mais je pense que Robin est assez lucide parce que quand même c'est l'archéologiste de l'équipage des Mugiwara. Elle est assez intelligente, je pense qu'elle a bien vu la fumerie. Et du coup, à la fin, elle les a attaqués directement. Elle a bien vu que c'était juste des images et non pas la réalité. Donc du coup, il y a une des accompagnatrices de Black Maria qui est tombée au sol. Et c'est nickel. Donc du coup, je pense que lors du prochain épisode, ça sera principalement ça, le combat entre Black Maria et Robin. Avec Brooke qui se bat contre les autres accompagnatrices de Black Maria, ça risque d'être assez intéressant. Franchement, j'aime bien ce combat-là également. Donc, hâte pour voir la suite. C'est prometteur. Franchement, cet arc Onigashima est de meilleur. Et franchement, de la masterclass. Moi, je kiffe trop les combats. Et j'ai hâte de voir en fait là, comment on va se terminer chacun des combats. Donc voilà les amis, c'était la review de l'épisode 1042 qui vient de sortir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et surtout à nous suivre et à vous abonner pour nous donner de la force. Et puis je reviens vers vous assez rapidement avec des spoilers et des théories pour la semaine prochaine. Merci à vous, salut, à la prochaine.